Pour ma vengeance, je vais vous laisser imaginer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça coupe bien. Qu'est-ce que tu fais? Les amis, avant que la vidéo commence, je fais de la pub pour tous les pronostiqueurs qui sont bons et fiables, bien entendu. Et aujourd'hui, ça sera Boy Pro. Boy Pro, pourquoi? Parce que c'est un très très bon pronostiqueur. Son snap s'affiche juste ici. Rajoutez-le, c'est gratuit. Si vous voulez le suivre, suivez-le. Si vous voulez pas jouer, ne jouez pas. Si vous êtes majeur, profitez-en. Mais honnêtement, vous avez rien à perdre, même si vous voulez mettre des petites mises au départ pour tester. Boy Pro, je sais que tu regarderas cette vidéo, je te remercie pour tout l'argent que tu m'as fait gagner. Ben voilà les amis, on se retrouve en téléportation aux Ors dans une station de ski. Je suis avec mon ami Fafouné et nos amis aussi imaginaires qui sont là mais que vous ne voyez pas. Donc il y a Soso qui est juste ici, vous pouvez le rajouter sur Instagram. Il y a aussi Bâtard qui est juste ici, que vous pouvez rajouter sur Instagram. Steven qui est devant moi, que vous pouvez rajouter sur Instagram. Et bien sûr, Eddy, qui est sur la montagne là-haut, et que vous pourrez rajouter sur Insta. Bien entendu, le frérot fait des vidéos sur YouTube, vous pouvez le rajouter. Il y a le nom de sa chaîne ici. Il a fait plus de 80 000 vues en même pas un mois. Donc continuez à aller voir sa chaîne, et ça sera en description dans tous les cas. Donc les amis, aujourd'hui, le but c'est quoi? Je vais prendre ce portefeuille et je vais le faire tomber en étant assis sur un télésiège pour voir si les gens qui sont sur les pistes vont me le rendre ou seront plus tentés à me le voler. Dans ce portefeuille, je vais y mettre 150 euros à peu près pour que les gens ils soient tentés par l'argent. Voilà, c'est simple. Si le mec il voit qu'à 150 euros dans le portefeuille, peut-être qu'il sera tenté à le garder. Mais s'il n'y a rien, peut-être qu'il sera tenté à me le rendre. C'est pour ça qu'on va mettre les sous. Donc là, on va partir. On va faire ça sur plusieurs jours parce qu'on aimerait bien profiter un peu du ski, tout ça. Et puis, on se retrouve à la fin pour une conclusion. Bonne vidéo à tous et à plus tard. Ciao. Il y a Fafa qui est positionné avec la caméra. Et on va voir si quelqu'un me le récupère ou pas. Voilà. Bon, déjà il a l'air gentil lui. Qu'est-ce qu'il fait? Fouille ou pas? Non. Non, il fouille ou pas? Là, il y a un toc qui arrive. Bon, le mec, j'ai regardé, il a pas pris les sous. Bonjour. Ah, c'est vous qui l'avez, d'accord? Ouais, c'est moi qui l'ai tué. Bah, merci, je comprends pas. Voilà. Oh, il fait froid, hein? Ah, ouais, il fait froid. Vous l'avez vu tomber, du coup? Ouais, j'ai vu tomber, j'ai dit, toi, je vais ramasser, je vous attends. D'accord. Et du coup, vous attendez bien? Ah, bah, c'est super sympa. Vous êtes là pour combien d'attendre? Je sais pas, je pense que je suis là pour faire bien. D'accord, d'accord. Mais j'ai vu, il y avait de l'argent dedans, vous avez regardé ce qu'il y avait dans le portefeuille? Non. Vous avez même pas regardé. Non, même pas. Du coup, je vais vous dire un dernier truc. Bon. Est-ce que tu as une caméra là-bas? Parce que une caméra cachée, c'est une expérience sociale. Ouais. Et j'ai mon ami qui est là-bas et qui en fait, il filmait toute la scène pour voir si vous allez récupérer le portefeuille, le garder pour vous, me le donner. C'est bon. Voilà. Et là, c'est bien parce que vous me l'avez rendu, c'est super. Ça marche, pas de soucis. Ça va, okay. Allez. Allez, bonne journée. Ciao, merci. Allez, ciao. À bientôt. À bientôt. Ben, bravo parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Super gentil, le mec. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ouais, on continue. Allez, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Il se taille. Il se taille? Non. Là, il y a un toc qui arrive. Skieur professionnel, les gars. Salut! Ça va, Kevin? Toi? Ça va. Ah, merci, hein, pas du tout. Je sais que le portefeuille, c'est important. Tu vois, j'ai pas fermé la poche. Et voilà. Du coup, je me suis assis, il est tombé à ce moment. Alors, faut faire attention, hein. Là, c'est vite pris, ça. Ah ouais, putain. T'es d'ici, toi? Ouais. Bah merci, parce qu'en plus il y avait de l'argent dedans. Bah non, il y a pas moyen de chier des prochaines billets. Pour? Je sais pas, mais je viens. Pourquoi je vais acheter des prochaines billets? Parce que je t'ai gardé tout. Ah. Tu t'as que 10? Bah j'ai plus, frérot, mais pourquoi? Tu fais des combien? Il y a juste 10 euros en plus. Sans avoir 20 euros. Tiens.
Moi je t'ai dit, je t'ai passé une billet de vie déjà. Ça va, frère, mais il y avait des sous dedans. Ça, j'aurais pu te prendre. Ouais, je suis pas obligé. Je suis pas une tu vois ce que je te dis. Je vais te donner quelque chose non plus, frérot, je t'ai donné 10 euros. Mais si j'avais su, je l'aurais regardé et je serais parti avec. Tu as une mentalité bizarre, hein, la vérité. Pourquoi tu prends ça? Tu as une mentalité bizarre pour toi. Bah, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que je descende mes chaussures et qu'on se fasse maintenant? Allez frérot, c'est quoi? André, allez. Vas-y, 5 euros le matin. Frérot, je prends la pomme boucanée, merci. Il sort un billet de 10 euros, je lui donne. Il me dit, quoi, t'as pas un billet en plus? Eh, j'ai frérot, là, t'abuses, tu vois. C'est quoi, si j'avais su, je l'aurais gardé le portefeuille. Après, il me dit quoi? Après, j'ai dit, ouais, c'est quoi, t'as une mentalité bizarre? Il me dit, quoi, tu bouges des choses, je sais pas quoi, quand ça me boucane? Il dit, quoi, pour toi, vas-y, passe. Là, il y a le portefeuille par terre. Ah, quelqu'un qui le ramasse. Ah, il fait signe, ça va, c'est un bon mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dedans. Il prend les sous. Mais non. Oh le bâtard. Il va tracer ou pas? Il reste là, tranquille. Il prend les sous, il reste là, le gadjo. Bonjour. Oui, ça va? Et vous? Impeccable. Ah, vous avez récupéré le portefeuille? Enfin, je vous avais les poches quand on vendait les tennis. J'ai pas fait exprès, c'est un truc de fou. Faut faire attention, ici ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Ouais, faut faire attention. Bah là c'était. Ouais, j'ai pas fait attention. J'ai pas dû faire attention. Heureusement vous avez crié, sinon je m'en rendais même pas compte. Ça arrive, ça arrive. Voilà, je te l'ai posé là. Je vais vous donner quelque chose quand même. Non, quand même, c'est gentil. Moi, je le fais pas pour ça, quoi. Attendez, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des sous dedans. Ah mais pour le coup, je pense que moi je l'ai vu tomber en fait, je t'ai vu d'en haut. Ouais. Il y a personne qui a pris hein. Ouais mais si justement, s'il y avait des sous, il y avait plus de 100 euros dedans. Non. Il y a plus rien. Eh ouais. Ouais carrément. Eh ouais. C'est pas toi qui a pris? Ah non du tout, c'est pas moi non. Bah ça après, puis si je les aurais pris, je t'aurais pas rappelé pour donner ton portefeuille. Putain mais c'est quoi? Je voulais te donner un truc, je voulais te donner quelque chose tu vois. C'est pas grave, t'embête pas gros, c'est pas grave. En fait je t'explique, moi le portefeuille, à la base, j'ai fait exprès de le faire tomber. D'accord. J'ai fait exprès de le faire tomber, pourquoi? Parce que dedans il y avait de l'argent. On risque de perdre de l'argent? C'est parce qu'en fait moi je fais des vidéos sur YouTube, tu as vu? D'accord, ok. Et il y a une caméra juste là-bas. Et ça, tu vois derrière l'arbre là-bas? Je filme parce que c'est une expérience sociale. On va regarder, de toute façon tu as un masque, on peut pas te reconnaître. Ouais, d'accord. On va regarder ensemble la caméra, okay. Et on va voir si tu as pris des sous ou pas dedans. Ok, pas de soucis, allez go. Allez. On va regarder pas ensemble si tu veux. Bah ouais. Ah mais tu verras que c'est pas moi gros. Tant mieux que tu aies été filmé. Non, c'est clair, tant mieux. C'est les frérots. Tu m'attends là-bas? Il se taille. Ah, p***, fils de p***. Suis-moi, papa, suis-moi. Suis-moi. Arrête-toi! Vas-y, allez, c'est bon! Ah! C'est bon! Ah! Vas-y! Lâche-moi! Tu pars plus, rends-moi les sous, frère! Non, rends-moi mes sous, frère! Comment tu as pas mes sous? Arrête de me dire n'importe quoi! J'ai pas tes sous, moi! Pourquoi tu m'as pris les sous? J'ai pas tes sous, moi! Arrête, frérot, s'il te plaît! Je te dis que j'ai pas tes sous! Arrête, frérot! Arrête! Mais tu veux total, il est où? C'est un skag, lui! J'en ai marre, gros! Ah, mais c'est un mongolien, ce mec! Où tu vas aller, gros? Est-ce qu'ils sont là? Il se taille! Ah, mais c'est mongolien! Bon, maintenant ils vont se quitter, je te le dis! Je suis venu ici profiter, tu vois, je suis venu ici pour faire des vidéos, rigoler, tout ça. Mais là, il faut que tu avoues! Parce que moi, il faut que je récupère mes sous et je vais les récupérer de façon. Arrête de filmer, toi, arrête de filmer, arrête de filmer! Arrête de filmer, ne filme pas! Non! Arrête, arrête, allez! Stop!
Ah, c'est toi? J'ai pas mon sou. Frérot, on t'a vu. On te voit sur la caméra, pas des sous. Faut qu'on aille au commissariat maintenant. Non, sérieux, les gars, la gendarmerie. Je skie beaucoup mieux que vous. Si je veux, je trace, vous montre. Frérot. C'est quoi le truc? C'est que t'as eu tellement eu la pression que t'es tombé tout seul. Ce qu'on peut faire, si tu veux maintenant, on peut aller à la gendarmerie parce qu'ici, c'est pas la police, c'est la gendarmerie. Et eux, ils délirent pas. Je monte ta tête, tu vas être retrouvé en 2-2 parce que tu es dans les stations d'en bas. Donc ça va être rapide à te retrouver. Donc c'est soit tu me rends les sous maintenant, on en reste là, soit on va la gendarmerie. Je mets pas la vidéo alors. Bah la vidéo, je la mettrai, mais tu seras fouté. T'as déjà filmé, ça y est, c'est bon, tu as filmé la grande partie. Ouais, mais t'as volé. Photo, t'as volé. Toi, tu veux pas continuer, mais tu voles les gens. C'est pas. Je filme parce que tu es beau. J'ai pas volé. J'ai pas volé. T'as trouvé, t'as pas volé, frérot, arrête. Tu m'as rendu le portefeuille, frérot, y'avait plus rien dedans, y'avait plus un frein. Ouais. Non, y'avait encore 50. Bah j'ai que ça, gros. Non, tu pars, frérot, s'il te plaît. Vas-y, ils sont là, j'ai pas vu. Ouais, voilà, ouais. Bah, c'est facile déjà, j'ai pas vu. Ça te plaît Sylvain toi? Ouais. Tu t'amuses? Ouais. Ça t'amuse? Ouais, j'adore. Moi je trouve qu'on est pas quitte. Je te dis la vérité, je trouve qu'on est pas quitte. Pourquoi? On est quitte parce que j'ai trouvé ton portefeuille, je te l'ai rendu. Eh non, tu m'as volé. Mais je te l'ai volé au final, tu as tes sous. Mais si je te rattrapais pas, j'avais pas mes sous, mec. Mais tu as eu ton portefeuille quand même. Mais quand... ça sert à quoi d'avoir un portefeuille sans sous, frère? Mais au final, tu as tes fatigues, tu as tout ce qu'il y avait dedans. Et mes sous? C'est plus important. Et mes sous? Bah les sous ça se refait gros, c'est pas là. D'accord, ben. Les papiers aussi ils sont dans ta poche. Les papiers aussi ça se refait. Dans tous les cas maintenant les sous sont dans ta poche, donc prends vous me rendez. C'est comme si moi, ben, je t'explique, c'est comme si moi je te prenais les skis, puis je les descends à la station, je te dis bah c'est pas grave, tu les récupères en bas. L'important c'est que tu les récupères. C'est rigolo mais. On va aller au commissariat, on va aller à la gendarmerie là, on descend. Mais gros tu m'as dit si je te ramène tes sous tu. Ouais mais. Ouais, pas au commissariat. Ouais mais je change d'avis. Je suis parti dans mon sentiment, je t'ai rappelé parce que j'ai trouvé ton portefeuille. J'ai ouvert, après c'était la tentation, j'ai vu les sous, c'est humain. Non, c'est pas humain, frère. C'est humain, gros. Non, c'est pas humain, gros. Mets-toi à ma place. C'est pas... Attends, frérot, t'as une combinaison, je sais pas combien. T'as des lunettes, je sais pas combien. T'as des skis, je sais pas combien. Et tu me parles de mettre à ma place. Tu viens au ski déjà, c'est que t'as des sous, frère. Et si je te rendais tes sous. Ouais. On n'allait pas à la gendarmerie. Ouais, mais frérot, toi, tu devais me rendre mon portefeuille, tu devais le rendre avec mes sous dedans. Mais c'est quoi, on peut faire quoi? Alors c'est mieux, je les affume bien maintenant, les gars. Non, frère, papa, il sait bien skier, il a dit. Qu'est-ce qu'on fait? On lui prend pas un ski, on lui descend la pente sur un ski. Eh ouais, un ski. Eh, descend la pente sur un ski, on va délirer. Mais c'est où? Je disais, je t'ai rendu tes sous, tu me demandes de skier à un ski. T'as volé les sous, frère, tu prends pas pour être débile là ou quoi? Mais j'ai trouvé ton portefeuille. T'as pas trouvé, tu l'as vu tomber, frérot, tu l'as volé, frère, on va dire n'importe quoi. Je t'ai rappelé pour que tu le récupères. Ah ouais, j'ai. Mais frère, il m'appelle pour que je le récupère, mais je le récupère vite. C'est ça. Malade, ce mec, mais t'es fou. Là, tu m'as rendu, mais c'est ou pas? Tu les as rendus maintenant ou pas? Mais parce que c'était. Prends-lui les skis, prends-lui le ski, prends-lui le ski. Celui de gauche ou de droite, j'en ai rien à foutre. Gros, tu vas tomber sur ce qui est aussi. Tu prends les deux, tu vas descendre à pied. Alors donne-moi les skis. Donne-moi les skis, tu descends sur le cul, je sais pas. Tu vas pas me filmer quand je descends, frère. Ah si, ça va être le plus rigolo, frère. Mais emmène-moi un frère. Ah ouais, il est bon! Hey, poteau! Allez, ah ça, il a trouvé la technique. Voilà. Allez, ciao mec. Et merci. Et merci la zone. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, il y a des personnes qui volent et il y a des personnes qui ne volent pas. Comme d'habitude, comme dans chaque expérience sociale, il y a toujours des bons et des mauvais partout. Cependant, je pense que la personne qui nous a volé et qui n'a pas voulu nous rendre le porte-monnaie qu'il a trouvé sur la piste de ski s'en rappellera et ne recommencera plus jamais. En attendant, si vous voulez porter notre marque de vêtements que j'ai actuellement sur moi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Paiement sécurisé pour hommes, pour femmes, pour enfants. Et même, il y a même des porte-clés, il y a de tout. Désolé, j'ai des allergies, c'est pour ça que je parle du nez. Si vous trouvez quelque chose dans la rue, toujours
ramenez-le au commissariat ou ramenez à l'accueil le plus proche pour que la personne en question puisse retrouver son portefeuille ou son téléphone ou n'importe quoi. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, rares sont les personnes qui ramassent pour ensuite rendre à la personne à qui appartient l'objet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, faites attention et faites pas trop les cons au ski. C'était Kamoff, à bientôt. Ciao.